Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous voulez écouter une petite musique en attendant les autres qui viennent? Je ne savais pas quelle musique jouer. Donc, on va pas attendre la musique. On va tout de suite commencer parce que je n'ai pas envie de faire de longues vidéos. Ceux qui sont pas là, ils viendront la voir après. Le but de ma vidéo, c'est quoi? Vous avez eu le thème. Mais avant cela, j'aimerais vous dire bonsoir, vous qui êtes là. Bonsoir, vous qui êtes abonnés à ma page, vous qui êtes connectés. Je vous dis bonsoir, je vous dis merci. Et remercions Dieu Tout-Puissant parce que nous avons la vie, nous sommes là, nous sommes en bonne santé. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Et quand nous prions, demandons que sa volonté soit faite. Parce que j'ai regardé une fois, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui pour me dire merci. Et dans cette vidéo, elle a partagé une prière. Et j'ai vu une personne qui disait, qui priait avec toute énergie, je vais vivre en 2020, je vais avoir la santé. En 2020, je vais réussir. En 2020, je vais faire ça. Il y avait une personne qui disait tout ça. Et puis, ben, finalement, cette personne, elle n'a pas vécu en 2020. Donc, finalement, nos prières doivent être dans l'humilité. Seule la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont fait des projets. Tout le monde a fait des projets. Mais voilà, ça ne s'est pas réalisé. Seulement la volonté de Dieu s'est réalisée. C'est que, ben voilà, pas de projet, pas de vacances cette année. Et pourtant, les gens avaient tout planifié. Donc, soyons humbles dans la vie, reconnaissons. La grandeur et la puissance de Dieu. Une fois, je priais, j'ai demandé à Dieu comment je dois prier. Et il y a une voix qui m'a dit, la reconnaissance et la repentance. Voilà. La reconnaissance et la repentance. On reconnaît la grandeur et la puissance de Dieu. On se repent pour tout le mal qu'on a fait aux uns et aux autres. On se repent pour les dettes que nous avons envers les gens qu'on n'a pas pu payer. On se repent. On demande pardon et on continue. Voilà. C'est ma nouvelle vie aujourd'hui. Je ne veux plus avoir affaire avec quelqu'un, avec des problèmes avec quelqu'un. On va dire merci et on va continuer notre vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est non au masque et non au gel hydroalcoolique. Je vais vous dire pourquoi. Le gel, d'abord, on va commencer par le gel hydroalcoolique. Et je vous prie de partager cette vidéo. Parce que j'aimerais qu'elle arrive chez des dirigeants africains. C'est très important, mon message. Je vous en supplie, celle-là, partagez-la, mais au maximum. Alors, c'est quoi le gel hydroalcoolique? Le gel hydroalcoolique, c'est un gel qui a été mis en place par un docteur suisse qu'on appelle le docteur Pité. Et ce gel, à la base, il était pour des médecins eux-mêmes. C'était pour qu'on l'utilise dans les hôpitaux. Donc, pour les maladies infectieuses, pour des gens qui étaient en contact avec des malades, ils pouvaient utiliser, après avoir été en contact avec ces malades, ils pouvaient utiliser ce gel-là pour détruire les bactéries et les virus. Aujourd'hui, nous sommes face à un ennemi invisible, donc qui s'attaque aux mains. Donc nous sommes obligés d'utiliser le gel hydroalcoolique. Mais les composants de ce gel hydroalcoolique peuvent être un danger en Afrique. Parce que le gel hydroalcoolique, il est composé de l'alcool, de la glycérine et de l'eau. En fait, de l'alcool, oui, de l'eau. Donc l'énatol, alcool de 96%. Alors, en Afrique, vous connaissez les gens. D'abord, ce gel hydroalcoolique, il est déjà exposé au soleil. Les gens le vendent déjà au soleil. Ils se promènent pour le vendre. C'est déjà un danger. Vous allez voir que les gens, ils vont utiliser ce gel hydroalcoolique dans les mains. Hein? Ils vont aller se promener sur le chaud soleil de 40 à 45 degrés. C'est déjà un danger. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas recopier ce que l'Europe décide dans ce temps de corona, de Covid. L'Afrique n'est pas toujours obligée de dire oui, amen, alléluia, amen. On ne peut pas être des bénis, oui. On doit aussi savoir s'imposer et dire non. Là, ce que vous proposez à l'Afrique,
C'est peut-être bon pour l'Europe, mais ce n'est pas bon pour l'Afrique parce qu'il y a un chaud soleil de 40 à 45 degrés qui peut détruire mais les mains des gens avec, qui sont en contact avec le gel hydroalcoolique qui contient de l'alcool. Donc tu mets de l'alcool dans ta main et tu t'en vas sur le soleil de 40, 45 degrés, 30, 27. C'est grave. C'est très grave. C'est pour ça que je vous prie de partager cette vidéo. Pour que les dirigeants puissent comprendre que, les dirigeants africains puissent comprendre que c'est sérieux ce gel hydroalcoolique. On peut le remplacer par le savon. C'est vrai que le savon n'est pas très efficace. Mais pour l'Afrique, je pense que ça peut suffire de se laver les mains, mais régulièrement avec le savon pour éviter les conséquences. Et porter les gants et mettre les masques. Les masques, c'est vraiment obligatoire en ce moment-là. Les gens, voilà, ça évite, tout le monde sait ce que le masque il fait. Mais le masque, je vais toujours le répéter. On dit que la répétition est pédagogique. Je vais le répéter et je le répéterai. Le masque, c'est quoi? Pourquoi on doit importer les masques en Afrique? Et l'Afrique est un continent de tissus, de tissus en coton. Le coton, ça vient de l'Afrique. Donc, je ne comprends pas pourquoi on doit prendre on doit importer des masques. Un masque, c'est un tissu en coton que l'on coud et on va mettre un filtre. Ce masque-là, celui que moi j'ai, c'est une esthéticienne qui coud ça. Elle a mis un filtre qui empêche les pollens de passer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu portes ce masque, tu éternues. Ça ne sort pas. Ça reste avec toi. Donc, l'autre, il ne reçoit pas. En même temps, tu ne prends rien parce qu'il y a un filtre qui arrête ça. Mais est-ce que les gens sont imbéciles en Afrique pour ne pas faire un masque en coton avec un filtre? Alors, c'est là où il faut investir. C'est là où les dirigeants africains doivent investir, dans le masque. Pas les masques importés de Chine, pas les masques importés de je ne sais où. Tout n'est pas à copier. Ça, c'est des masques en tissu et dedans, il y a un filtre. Et ces filtres-là, moi, je les connais. Ce sont des filtres médicaux. Si moi, je connais ces filtres que j'ai accès avec, ce n'est pas le gouvernement africain qui ne peut pas avoir accès à ça. Ils le savent, je suis sûre qu'ils le savent. S'ils veulent bien, ils vont l'avoir. Alors, moi, ma prière, c'est de former les gens en Afrique, même pas les former. Les femmes sont couturières, elles savent coudre des masques. Il faut juste leur montrer la technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut prendre le masque, il faut prendre le tissu en coton, doubler le tissu en coton, laisser une ouverture pour pouvoir mettre un filtre à l'intérieur. Ça, c'est un masque. Je sais que les gens, pour eux, ça ne les intéresse pas quand ça ne vient pas de je sais pas, d'une pharmacie ou bien je sais pas, si ça ne vient pas de là, c'est pas intéressant, mais les gens sont pas logiques. Ce que j'explique, il y a une logique derrière. Même si ça ne vient pas d'une pharmacienne, ou bien ça ne vient pas d'un droguiste, ou bien ça ne vient pas de choses. Mais il y a une logique qui est derrière qu'il faut voir. C'est cette logique-là. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir d'où ça vient. C'est un coton en tissu qui est déjà aéré. Un tissu, pardon. Un tissu en coton. Laissez ouvert. Mettez un filtre et le portez. Et quand vous rentrez à la maison, déjà, il faut informer nos mamans. Il faut les instruire que quand elles ont porté le masque et qu'elles rentrent à la maison, il faut qu'elles mettent le masque dans de l'eau bouillante. Idem pour toutes les personnes ici qui sont en Europe. Le masque, il est réutilisable. Le filtre est réutilisable. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu fais bouillir de l'eau très chaude. Et tu vas mettre ton masque tout de suite. Le premier réflexe, tu enlèves ton filtre, tu le mets dans de l'eau bouillante. Le masque, tu le mets dans de l'eau bouillante. Voilà.
fait bouillir et après tu l'enlèves et tu le sèches. Et il y a le soleil en Afrique. S'il y a le soleil, pourquoi vouloir faire comme en Europe? Pourquoi forcément faire comme en Europe? Est-ce que les gens ne sont pas intelligents en Afrique? Est-ce que les gens ne sont pas volontaires? Non, les gens sont volontaires. Il faut qu'on leur apprenne comment on fait les choses. Il faut qu'on leur apprenne à travailler. Et ils vont travailler. Après, on n'a pas à importer. Moi, c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vois même le gouvernement. Je vois même les cadres qui portent ces masques. Parce que, de nouveau, les gens aiment tout ce qui vient de l'Europe. Les gens aiment tout ce qui vient de l'extérieur. Même si ça doit les tuer. Mais c'est une fierté pour eux de dire que ce masque-là, c'est la mode, ça vient de Chine ou bien ça vient de je ne sais où. C'est, même si ça doit les tuer. Mais il faut qu'on arrête. Le COVID est venu, je crois, pour nous enseigner. Le COVID est venu aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre qu'on doit se prendre en charge. Pourquoi toujours attendre? Il faut que le gouvernement sorte les moyens. Il faut que vous appelez Didier Drogba ou il faut que vous appelez Samuel Eto'o plutôt que de faire des critiques. Mais il faut des solutions concrètes pour l'Afrique, pour nos frères qui sont là-bas. Il y a des garçons, il y a des hommes, il y a des jeunes qui sont là. Mais on met une machine, on apprend aux gens à coudre et toute l'Afrique entière aura des masques. Pourquoi? Pourquoi? Je pleure. Mais pourquoi tout doit être importé? Pourquoi vous ne valorisez pas en Afrique les choses que vous avez? Seulement le beurre de karité, il est tellement efficace que vous n'avez même pas besoin d'acheter des choses qui viennent de l'Europe pour les mettre dans les narines. Le beurre de karité est un anti-inflammatoire. Il faut le mettre dans les narines déjà pour pouvoir soulager les bronches. C'est tellement... Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Et quand on fait ce genre de vidéo, on est peut-être 8, 7 personnes à regarder ça parce que les gens ne se... Ils prennent pas ce genre de message au sérieux. Ils prennent pas ça au sérieux. Et pourtant, c'est sérieux. C'est tellement sérieux que je ne sais même pas comment il faut faire pour pouvoir passer les messages. Voilà le masque qui est en train de bouillir. Regardez, dans de l'eau chaude. Tu l'as désinfecté. Tu le mets dans une assiette. Dans une assiette. Moi, je ne dis même pas qu'il faut le presser. Moi, je le mets dans une assiette. Et là, tu le mets au soleil. Il y a du soleil. Il y a le soleil en Afrique. Tu le mets au soleil. Ton masque, il est prêt. Le lendemain, tu sors, tu reprends ton masque, tu le portes, tu pars. Qu'est-ce que tu as à acheter, même si c'est un don? Vous qui êtes là connectés, même si c'est un don de masque qu'on vous a fait, ne les portez pas. Parce que nous sommes en guerre et c'est une guerre invisible. Si on n'a pas reçu une part d'une part, on va aller chercher d'autre part. Les vaccins, tout le monde dit non, donc c'est visible. On voit maintenant les vaccins. On voit que si les gens sont en train de vacciner les enfants ou bien des personnes, ils seront vus, c'est visible. Mais si je te donne un masque, je t'offre un masque, vous avez vu tout ce que j'ai fait, comme les Africains n'aiment pas beaucoup. Ils jouent sur l'ignorance des Africains pour leur vendre tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai mal à l'Afrique. J'ai mal à mon Afrique. Je souffre. L'ignorance, c'est un péché. Sortez de péché. Sortez du péché. L'ignorance est un péché. Si on voit ce masque, j'ai mis un filtre. Est-ce que vous savez ce que j'ai mis dans ce filtre pour venir t'offrir? Est-ce que tu sais? Si je suis mal intentionné, est-ce que tu sais ce que je vais mettre dans ce filtre pour venir t'offrir? Ben non, tu vas le prendre comme cadeau et tu vas le porter. Faisons confiance à nos mamans en Afrique. Elles savent coudre. C'est le grand temps de dire à Didier Drogba, de dire à Eto'o fils, de dire à tous ces footballeurs, pour ne pas tous les citer, à tous ces milliardaires, investissez dans les masques.
C'est la seule chose pour se protéger. La seule chose efficace en Afrique pour se protéger, c'est les masques. Le reste, on verra après. Mais tout le monde doit porter un masque. Mais pas des masques qui viennent de Chine, non de bleu. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Il y a un problème. Il y a un problème. Parfois, je m'assois, je dis, pourquoi je suis devenue africaine? Pourquoi même je suis une africaine? Nos dirigeants sont des dirigeants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je dis que l'Africain est méchant contre lui-même, je parle de nos dirigeants. Mais en même temps, je les comprends. S'ils ont fait des contrats avec l'OMS ou bien ils ont fait des contrats avec je ne sais pas quoi, je les comprends. Hein, que eux, bon voilà, ils vont venir, ils vont accepter parce qu'il y a un contrat. Eh bien, on doit mettre les choses en route. Mais la population, vous n'avez pas signé de contrat. Vous n'avez pas signé de contrat. Pourquoi vous voulez les suivre? Ne soyez pas des moutons qu'on envoie à l'abattoir. Ne soyez pas des bétails qu'on emmène à l'abattoir. Sachez aussi réfléchir un peu. Et dire que je ne suis pas une conne, je ne suis pas une imbécile. Et que ce masque-là, je peux le coudre moi-même. Je vais me mettre un filtre. Si vous ne savez pas quel filtre il faut utiliser, contactez-moi, mon numéro, il est là. Moi, je vais vous donner le fit qu'il faut. Vous allez prendre pour coudre vos masques. Même les masques, encore, vous allez accepter qu'on vous tue par les masques. Tout simplement, c'est la fainéantise ou bien l'ignorance de vouloir s'asseoir derrière une machine et puis coudre un masque. Rien que pour ça, tu vas accepter qu'on te tue. Non. Non. Je dis non. Le COVID doit vous réveiller. Chers Africains, réveillez-vous. Le COVID n'est pas là pour rien. Il y a des gens, aujourd'hui là, j'aime beaucoup lire la Bible. Et dans la Bible, il y a des choses que je comprends. On doit être un corps. Un corps. Ça dit que, en ce moment du COVID là, nous devons être un corps. Ça dit qu'il y a des gens qui prient. Il y en a qui apportent des solutions. Il y en a qui sont des gardiens, il y en a qui sont... Des policiers entre nous, des policiers. C'est-à-dire, tu regardes sur ton voisin, tu vois ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont venus les vacciner. On court, on informe. Il y a d'autres qui sont là qui apportent les moyens. On doit être un corps pour sortir de cette merde que j'appelle la merde. Et quand vous voyez des gens qui font des vidéos censées, mais partagez-les pour que ça puisse aller loin. Où allons-nous? Si vous ne partagez pas cette vidéo et que ça reste dans notre petit cercle réduit et que c'est vous qui avez écouté, moi j'ai écouté, les gens même qui devraient prendre ça au sérieux n'ont pas reçu cette vidéo. Donc ça veut dire que je suis comme Jean, comme ma copine me disait, Jean qui prêche dans le vide, répandez-vous, répandez-vous dans le désert. C'est comme ça. Je suis en train de prêcher dans le désert. Et pourtant, j'ai des nouvelles, mais ceux qui profitent, j'ai mal. Ceux qui profitent, c'est des gens... Je ne sais pas. 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 Ceux qui profitent, qui tapent à ma porte, c'est les Européens. Ceux qui m'appellent pour me dire le produit, le masque, le cisque dont tu as parlé, c'est les Européens. Mais il y a quoi avec les Africains? Je me dis, ok, peut-être qu'ils ne réagissent pas parce que peut-être qu'ils savent déjà tout ce que je suis en train de dire. Mais à la fin, quand je vois ce qu'ils partagent, je dis, mais attends, finalement, il y a un problème. Hein? Finalement, il y a un problème. Alors, si je dois être Jean qui prêche dans le désert, je vais prêcher dans le désert. Et dans le désert, je pense qu'il y aura une, deux personnes qui vont m'écouter. Et quand j'aurai sauvé un ou deux, peut-être que j'aurai accompli ma mission sur cette terre. Je vous dis, avec ce COVID, avec ce qui arrive, la situation où nous sommes maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Un jour, on partira. Mais je ne partirai pas avec le regret de n'avoir rien dit. Mais j'aurai quand même fait ma part. Moi, c'est ce que je peux dire. Et quand j'ai parlé de l'Artemisia, si les gens qui veulent nous aider, qui veulent vacciner les gens parce qu'ils veulent nous aider, j'ai regardé une vidéo encore aujourd'hui d'un intellectuel. Moi, j'ai dit toujours, j'ai des problèmes avec les intellectuels.
J'ai un problème avec les intellectuels. J'ai un grand problème avec eux. C'est un intellectuel qui a fait une vidéo et dans sa vidéo, il disait que, en fait, les Africains n'ont rien compris parce que ce journaliste ou bien ce chercheur qui a dit qu'il faut vacciner les Africains, c'est parce qu'il voulait les aider. Donc, les Africains n'ont rien compris. Après, il est allé dans leur truc de je sais pas quoi là, aller démontrer comment est-ce qu'on aide et tout. J'étais là, je le regardais, j'ai dit non mais, oh, si vraiment vous voulez que les Africains, les médecins-chercheurs là nous aident là, vous pensez que c'est par les vaccins? Il y a une plante par exemple qu'on appelle l'artémisia qui contient énormément de chloroquine. Pourquoi si tu veux aider un Africain qui produit l'artémisia, pourquoi tu ne lui dis pas, bois cette tisane, elle va t'aider? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est aussi une façon d'aider, hein? C'est une façon d'aider les gens. Et de dire que si vous buvez maintenant, vous Africains, vous avez de l'artémisia chez vous. Si vous la buvez, eh bien, vous allez être guéri. Mais pourquoi on ne le dit pas? On dit supprimer la culture de l'artémisia, on la suspend. Et après, on dit, on vient quand même vous vacciner parce qu'on vous aime. Et même avec ça, il y a des intellectuels qui vont venir dire que non, 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 ils veulent vous aider. Mais ils veulent nous aider comment? Ils veulent aider les Africains comment? L'aide que l'Occident peut apporter actuellement à l'Afrique, moi je vais vous dire, actuellement l'aide que les Africains, l'Occident peut apporter, c'est de donner, c'est de leur apprendre à pêcher. Faut pas leur donner des poissons. Apprenez-leur à pêcher. Apprenez-leur à se lever le matin pour aller au travail. Comment on fait? Avec pluie ou sans pluie? Avec soleil ou sans soleil? C'est ce genre de formation qu'ils ont besoin. Maintenant, si on veut les aider, il faut aussi qu'on les aide à construire des hôpitaux, à équiper les hôpitaux, à être là, à être les gardiens, à être derrière l'État pour savoir que ce qu'eux, ils ont donné, l'État a vraiment mis ça en route. Ils doivent être des policiers derrière les dirigeants. Ça, c'est une aide pour l'Afrique. Aussi, former les gens à coudre, par exemple, ces masques à la con, là, où quand tu peux faire ça, même les yeux fermés, ce truc-là. Ça, tu peux faire ça, les yeux fermés, et puis mettre un truc dedans, et puis mettre sur ta bouche. Même ça, c'est importé. Oh! Non, mais franchement, écoutez, moi, ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. Sinon, je peux seulement vous dire au revoir. À partir de la semaine prochaine, je viendrai vendre mes produits parce que je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai fait ma part. Je viendrai vendre mes produits si ça vous intéresse. Vous achetez. Si ça ne vous intéresse pas aussi, alléluia, on ne se sépare. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des masques que nous, on a fait, qui sont mieux que les masques chinois. Ils sont là. C'est des masques en coton avec fil réutilisable. Vous pouvez commander, vous pouvez acheter. Des tisanes boost immunity. Donc, on a des tisanes pour booster le système immunitaire. On a des tisanes pour les gens qui sont constipés, les gens qui ne vont pas aux toilettes. Ça, c'est pas bon. Si tu ne vas pas aux toilettes, c'est pas bon. 3 4 jours, quelqu'un qui va pas aux toilettes en ce temps de Covid là, ce n'est pas bon. Ça va te créer d'autres maladies. Voilà. Donc, les bactéries vont proliférer dans tes intestins. Ça va te créer encore d'autres maladies. Donc, il faut acheter cette tisane pour la boire, pour qu'elle puisse t'aider à aller aux toilettes au moins une fois par jour, si vous avez une personne qui est constipée. Voilà ce genre de produit que nous avons. Nous avons aussi des lotions, hein, comme l'eau de rose par exemple, pour se nettoyer la peau, pour mettre dans les yeux, parce que maintenant, les gens sont en contact avec la télé et tout. Si vous avez quelque chose à mettre dans les yeux, c'est déjà pas mal parce qu'on est confiné. Il faut aussi prendre soin des yeux. Alors, on a l'eau de rose. On a aussi une boisson que j'appelle le tigre qui va vous aider toujours. Je dis vous aider parce que je ne guéris pas, c'est Dieu qui guérit. Je ne soigne pas, c'est le médecin qui soigne. Moi, je suis là pour les personnes qui veulent la prévention, les gens qui veulent se prendre en charge. Vous avez une boisson
qu'on appelle le tigre. Vous la diluez dans de l'eau et vous la buvez pour nettoyer vos poumons et nettoyer aussi l'acidité dans le corps. Donc voilà, j'espère que pour aujourd'hui c'est bon. Partagez la vidéo si vous voulez. Mais si vous avez déjà écouté ce que je voulais dire, ce n'est pas si mal. Mais si vous pensez que cette vidéo-là, Didier Drogba peut l'entendre pour aider nos mamans, former nos mamans à coudre les masques avec les filtres, eh bien, c'est déjà pas mal. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et que Dieu vous garde. Et restez humble. Restons humbles. Merci.